Lundi 17 octobre 2022. Mesdames et messieurs, nous comptons avec vous sur Canal Polar, TV Lakay Haïti.com. Et son plaisir pour nous porter vidéo ça pour vous, même si on bon, nous avons en pile tristesse cap crasé que nous par rapport avec un gros pet ça que musique haïtienne dans ce fait là. Nous voulons parler de Mikaben, mesdames et messieurs, et bien nous qu'on détaille déjà, nous pas besoin de parler plus sur dossier ça parce que son bagage qui grave en pile monde, beaucoup à câblier, beaucoup ça que nous se prend là. Information qui s'allie, mesdames et messieurs, jeudi c'est lundi 17 octobre 2023 et en pile levé campé dans le pays d'Haïti, en pile manifestant dans l'aria. Objectif là c'est devant ambassade France, ambassade Canada, américaine. Et bien mesdames et messieurs, on a dit que jeudi là c'est en pile bourara qui gagne dans la République par rapport avec gros levé campé ça qu'a fait pour demander pays les États-Unis by Haïti yo chance non problème que nous même n'a enduré alors que c'est eux même encore qui tête problème et yo penser c'est yo ka sélection et qui ka solutionner problème ça et bien mesdames et messieurs nous pour le faire autant de détails sur dossier vareux avec Genève en famille et alliés mais tout le monde qui est dans tête li barbecue porte-parole. Eh bien, mesdames et messieurs, dossier au prend la rue sans filtre, ou prend le saisir tant de comment, eh bien, et donc, ambassade ça, mettez Genève à travailler pour eux, mettez Genève à bloquer pays pour eux, une façon pour régler business à eux, une façon pour montrer c'est yo Kavin avec force militaire pour venir délivrer Haïti dans sa liée là. Ariel Henry même, mais c'est non problème parce que je dis à la, peuple a décidé, faut que déchouquer Ariel Henry, faut que nous disions, monsieur Talmete, donc, j'ai fleur. Et non, mi pana et manifestant au cours de monsieur et c'est bon pied Ariel qui sauve elle et bien nous pourrons faire autant de ça gain dans le pays ça ou pourrons saisir ouais comment et bien blanc lui même n'est pas décidé pour laguer nous yon maille et bien objectif aussi craser Haïti et puis autant des nations ça n'a pas existé encore nos façons pour eux même yo prend Haïti dans même tout détail sur vidéo jusqu'à la fin guys n'a tourné question blocage terminal vareur. Il fait partie du complot international. Aïe, aïe, aïe! Qui est-ce babékou taille pour t'apprendre grosse responsabilité ça sous dol pour t'abloquer toute économie au pays? Tout gros appareil ça pour fouiller trou. Gros appareil, qu'on est jeune. Qui est-ce babékou taille? Madame, monsieur, écoutez. Sous 4 ans de matin, débattant de matin, sous 4 ans de matin, débattant de notre radio. Non, non, Richien. Mais vérité n'a pas sous la blague. Qui est-ce Babékou Taï? Pour aller même seul, pour t'apprendre responsabilité ça sous dol, pour bloquer toute économie au pays. Parce que écoutez, madame, monsieur, gaz à son produit transversal, donc ça dit que c'est l'argent pays, c'est l'économie qui est bloquée. Et dossier gaz dans le pays d'Haïti, il n'y a pas seulement un rapport avec Haïtiens. Les intérêts dans la question gaz là, il n'y a pas seulement un rapport avec Haïtiens, avec des investisseurs haïtiens. Qui avec également des investisseurs étrangers, des officiels étrangers, madame, monsieur. Donc, Gazoua bloqué dans Varoya, il fait partie du complot international pour mettre Haïti à genoux, parce que regardez, le dis qui ça bloqué pays, ce gaz-là. Pour mettre Haïti à genoux, ok, pour nous être capable de river dans ce qu'on a planifié ce même ça, qui c'est une intervention militaire sur Haïti, madame, monsieur. Qui est-ce Babékou Taï? Laissez-moi vous donner deux exemples. Est-ce que nous jamais entendu blanc traiter Babékou de kidnapper? Et maintenant, tout soit les côté vers mon. Est-ce que nous jamais entendu dans le rapport blanc sur Haïti? Blanc traiter Babékou de chef de gang. Si nous allons côté vers mon. Si nous allons côté vers mon. Ça, on mette sous de Babékou, c'est un ancien policier qui en rébellion. Ça dit, madame, monsieur, pas étonné de que Babékou soit donc amnistié. Pas étonné. Et pour qui travaille Babékou? Pour quelle ambassade? Comprenez bien, qu'elle est jeune. D'ailleurs, il te dit qu'elle est jeune. Qu'elle est jeune. Pour qui ambassade que Babékou travaille? Pour quelle ambassade? Je dis, écoutez, Barbecue, c'est un pion important de l'international. D'ailleurs, l'international, à travers le BINU, l'a assumé parce que Mme La Lime, justement, il prend sous responsabilité la fédération de ces gangs et elle a été jusqu'aux tribunes des Nations Unies pour défendre, pour faire un plaidoyer pour cette fédération de Genève, madame, monsieur. Pour Mme La Lime d'arriver faire Genève, fédérer gang, ils vont pas les fait. Ou pas carré au grand matin, mais matin la toute, ou gagne association nord-ouest dans mon, ou gagne association la Tibolite dans mon, et pour tout le fédérer, pour fédérer, permettez la toute, faut chita pas la veille. Écoutez, n'a pas analysé, ils sont logiques. Parce que si on a parlé de fédération des gangs, assumée par Mme La Lime, en fait, de BINU, ok, pour arriver dans la phase côté que la défense gang son base de fédération, même à l'ONU, c'est parce que justement, tu as une entente préalable entre ces soi-disant gangs pour te mettre confortable dans la mission que tu as pas gagné, justement, madame, monsieur. Mission, c'est pour nous dériver là, c'est pour nous dériver dans Karoua. C'est la raison pour laquelle à l'émission en débat, nous avions toujours dit que Mme La Lime, c'est un artisan de Karoua, je veux dire. Pour qu'il y ait une ambassade, Babicop travaille. Je veux dire, si on a posé question, qui a rapport Babicop avec l'ambassade du Canada? C'est une question de poser. C'est une question de poser. Pour que ça, l'ambassade canadienne, tu es obligé de prendre devant pour l'encourager à négocier avec Babicop. Donc, nous pensons que Babicou peut-être parle, lui seul capable de prendre grosse responsabilité ça, mettez sous dol pour bloquer tout ton pays, tout ton économie au pays. Madame, c'est carré jeune pour nous comprendre ce qui va passer dans le pays. Et me dit encore, regardez pour voir si Babicou pas besoin d'amnistie. Parce que y a pas, dans les rapports internationaux, il n'y a pas jamais présenté Babicou comme chef de gang. Bon, mon petit lait, qu'on côté fait mon. Il est chef, oui. Chef d'organisation. Chef d'organisation. Yeah. Il ne pas jamais mettre sous le dos barbecue. Genève a un papier légal. Correct. Dans affaires sociales. Affaires sociales, eh bien. Yes. Eh bien. Genève a un papier légal dans affaires sociales. Ah oui. Bon, madame, monsieur. Dis-moi qui bon un rapport international, au côté où j'aime parler de barbecue comme kidnappé. Dis-moi qui bon. Donc, on garde pour nous si barbecue pas venir ici, madame, monsieur. Il dit affaire Gazal, pourquoi fini? Bon, nous, ça passe dans Pétionville pendant le week-end. Information. Ici, Martin Débat. Quand tu as fait Gaza, bal fini, madame, monsieur. Dans le week-end, vendredi soir, entre jeudi et vendredi soir, madame, monsieur. Gon pompe gasoline dans Pétionville, là. Au cœur de Pétionville. Vous avez passé dans le pompe-là? Pompe là, tu as un gaz. Il n'y a pas jamais bon gaz là. Il n'y a pas jamais bon gaz là. Monsieur, pompe là, tu as un gaz. Il n'y a pas jamais gaz là. Propriétaire pompe là. Prend 2 camions 6 mots avec nèg cagoulé, armé jusqu'aux dents. Il bloque 2 rues. Il vient avec 2 trailers, puis un matin d'atout. Il prend tout le gaz qui est dans le pompe là, mettre dans le trailer. Fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il vient sous le marché noir. Fini. Comprenez bien, madame, monsieur. Donc, qui différencie avec ça, avec ISO? Attendez, madame, monsieur, comprenez bien. Zenglé. Non, mais pas oublier, ça, c'est ça. Pas un goût, dit Zenglé, soit qui va imbécile, qui va prendre. Oui, d'accord. Parce que Gaza n'a pas payé, maintenant, il n'a pas oublié. Si le gars pour le vendre Gaza là, c'est peut-être à $50. OK? Ou bien, si il n'a pas appliqué prix Gaza qui soit là, $140. 560 gouttes, est-ce que là? Donc, il y a à peu près $180. Correct. Je dis, l'Igo marché noir, quand il a vendu gallon Gaza à 2000 gouttes. Non, $114, pas $180. $114. Quand on a le marché noir, quand on a vendu gaz à madame, monsieur, à 2000 goudes. Non, pas. Qui j'en bouge à 3000 goudes? À 3000 goudes, non, 2000 goudes, là, c'est ce qui est le vendre comme ça. On est à 3000 goudes, madame, monsieur. Qui j'en qu'on y a, propriétaire de pompe? Qui gagne gaz dans pompe, là? Il n'y a pas jamais gaz. Parce que dans le côté politique, pour bloquer le pays, il y a pile pompe là qui gagne gaz dans eux. Il n'y a pas livré gaz. Comment pour propriétaire de pompe, ça, pas faire calcul économique, ça? J'ai dit que Jodia, apparemment pour certains, ils pensent que le pays a marché normal. Parce que nous ici, depuis ouais, circulation, montée de son, pas de barricade, les gens quand même fait effort, payer les camionnettes là, même si ça en prix fort. Eh bien, nous ici, depuis calme ça revenu, et que tout va bien, l'eau coule douce, donc il n'y a aucun problème, et que le peuple là, à part ce gaz là, demain le gaz là, ce gaz là quand même. Ça dit, madame, monsieur, à faire gaz là, pourquoi résoudre partie pour notre pays? Donc nous faisons carrément problème parce que question gaz là, blocage terminal Varoya, il fait partie du complot international pour nous arriver là. Même devrait comme si dans un premier temps, nous garder dossier ça avant d'entrer sur le point qui est dans l'émission matin débat. OK. Et je dis à ce journée de mobilisation et de manifestation à travers toute l'étendue du territoire national. Nous avons des correspondants qui sous place tout côté, nous allons assurer que nous, Barou, une radiographie, un diagnostic en fait de tout ce qui a passé dans le pays à partir de correspondants que nous avons sous place. OK. Je dis à ce lundi 17 octobre, le pays a pour une grosse frappe. Le 15 dans la soirée, lors du concert de Carimi à Paris, madame, monsieur. Il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre, il y a des gens qui ne sont pas capables de manger. Et l'homme en Mikaben vient faire plus mal que Jean-Youé est à payer, madame, monsieur. Maintenant, quelles leçons tirées de cette mort subite, de cette grande perte de la musique haïtienne, du pays en général? Quelles leçons tirées? Ce matin, je voudrais présenter, en fait, toute l'équipe de Matin Débat. Nous voudrions présenter nos sincères condoléances, nos sympathies aux familles éplorées, à la famille de Mikaben, son papa, sa maman, et frère, cousin, madame Né, petite Li. Également, nos sympathies à toute la classe musicale haïtienne, à toute la société musicale haïtienne, à toute l'industrie musicale haïtienne qui est très touchée donc, par cette perte. Il y a déjà ce qui fait, et je pense que je dis, hein, ce n'est pas un moment pour nous apprendre et monter sur l'autre, ou du moins son capital sur la mort Mikaben. Moi-même, ça qui a pu faire mal, ça qui a pu faire mal pendant la soirée du samedi jusqu'à dimanche, c'est garder des politiciens comme Sindegado, un paquet hypocrite. Tout politicien a voué sympathie, Mikaben, ça fait au mal. Pendant ce temps, il y a qui musique Mikaben fait, il va me connaître. On regarde le gouvernement, le ministère de la Culture, voyez, sympathie. Mandez qui back up que l'État même, tes jambes, Mikael de ses projets, ou pas, je me connais. Moi, ce que je vous dis, c'est moment pour nous garder tête nous ensemble. Moi, je dis ensemble. Comment nous pouvons continuer à vivre ensemble? Comment nous sommes capables d'organiser pour nous capables de gagner une plus bonne vie ensemble? On vit ensemble, côté que tout le monde respecte les droits, côté tout le monde, je dis, nous connaissons le seul bagage qui est pays, qui est Haïti. Quelles sont capables de tirer de l'homme ça? D'abord, moi, toujours dit dans l'émission Matin Débat, quel que soit ce qu'on fait, il faut qu'il y ait 10% pour Haïti. Malgré que Mikaben, c'est un artiste qui investit en pile dans la musique, il est dans pile jeune artiste, il est dans pile jeune talent, il fait pile copdou, mais on voit que Haïti est toujours sous cœur. Et pas dans spectacle en France seulement, Mikaben dit qu'on drapeau rouge ou blessé, non? C'est pas spectacle à Paris pour faire mounoué. Et que Mikaben toujours contre drapeau rouge blessé, non, non. C'est de toujours. Chaque occasion présentée, ou après toute photo Mikaben, toute vidéo, ou après que toujours un drapeau bleu rouge là sous dol. Parce que le coin dans le pays, le coin dans Haïti, parce que c'est haïtien que le connaît lié. Je dis à Mbamba, c'est que il y a plusieurs leçons que nous sommes capables de tirer de ça passé, de l'amour ça. La vie pas rien. La vie pas rien, madame, monsieur. Donc, je dis, c'est faire ce qu'on vous fait. Mission pour Allah, vous n'avez plus à se faire. Je dis en tout, il y a pas pour nous comprendre, c'est que Mikaben, pas de personne qui a un problème avec elle. Pas de personne, elle dit son monde, c'est monde, tout le monde. Je vous ai dit que, camper gourmet face à frère, face à soeur, empêcher frère, soeur évoluer. Attaquer frère, attaquer soeur pour grand messie, à qui ça l'a rapporté? À qui ça l'a rapporté? Donc la vie n'est rien, madame, monsieur. Même ça t'est arrivé tout, ça t'est arrivé Pierre Martin tout, ça t'est arrivé Zav César, ça t'est arrivé José Lexidor, ça t'est arrivé n'importe qui monde, la vie pas rien. Je dis à me penser tout que faut nous saisir en fait message ça que Mikaben voya malgré que lui dans situation, il pas en forme, Mikaben pas en forme. Moralement pas en forme parce que kidnappé cousin. Cousin jusqu'à présent dans mes kidnappé yo. Il pas en forme. Ils font pile effort pour être capable de jouer spectacle ça et après les la ponte escalier li bouquet le camp pas capable et malgré le t'es consommé ah oui et plusieurs Red Bull justement parce que pas capable donc elle dit que li font effort bon probablement donc parce que entourage tout te doit comprendre que monsieur pas en forme te doit comprendre que monsieur pas capable monter podium là mais le fait que c'est son jour c'est son heure et ben les films fait ça pour le faire et puis là aller. Je dis à qui de sont tirés en fait de cette mort subite, madame, monsieur. Et donc demain, il y a des résultats autopsie. Vous avez supposé faire autopsie à Jodi là. Demain, tu as supposé gagner un résultat autopsie. Et depuis la France, et pour bail qui cause la mort, monsieur. OK. Alors, premier élément d'information qu'il y a, c'est que monsieur t'es consommé et Red Bull, boisson énergisante, et Libre 3, et jusqu'à 4 même, selon certains proches. Okay. Donc, est-ce que c'est à ta cause? Non, mais quand même, en fait, c'est clair. Vous êtes capable de souffrir d'insuffisance cardiaque, mon frère? Oui. Je ne pas checker. Madame, monsieur, ça très important. C'est quelque chose important pour faire. Ah oui. C'est que artistes haïtiens, nous pas organiser, c'est pas un cop tout. Parce que, nous avons business que un petit compte de 3000, 4000 $, 5000 $, 7000 $, tellement de musiciens vous payez, pas un cop là. Mais en principe, un artiste, c'est même avec un président qui a déplacé, il y a une ambulance qui t'a de suivre. Du moins, ça avant, on va le faire, on va le performer, on va le jouer. Si on va le jouer donc, à 7h du soir, ou on va venir dimanche. Non, samedi, il faut le faire un check-up. Il faut un médecin qui a voilà, qui vous dit comment l'état de santé. Parce que l'artiste, le plus souvent, il traite des ordres. Oui, ah oui, il n'y a pas besoin de parler. Donc, il y en a toute qualité de bagaille. Donc, en tout cas, je pense que ça, nous devons tirer le son de lui. Correct. La première leçon pour nous dire, c'est que la vie, ben, faire ce que vous faites. Deuxième leçon, c'est que toujours qui ton 10% pour Haïti. Et on va pas mentir. La musique haïtienne a connu de grands chanteurs. Et bien, dans les annales de la musique, on va pas mentir. Mikaben, dans le niveau Jean-Moury, elle mourit sur scène devant son public, au sommet de sa gloire, avec drapeau haïtien, madame, monsieur. Il fait ça, peut-être un pilatiste pas de feu, non? Dans des places, il y a des fanatiques de Ti Manno, des fanatiques de Coupé-Cloué, des fanatiques de Zandoubi. Mais il fait ça, on paquet tentative parfait. Il dit que il y a un niveau là, madame, monsieur. Et je dis, l'autre leçon pour nous tirer, c'est que regardez qui gens haïtiens avec étrangers, OK, affectés par une mort subite. Laissez-moi vous dire, le spectacle que j'ai vu à la télévision, son spectacle qui n'a pas niveau, pour moi-même, monsieur, doit faire peut-être 2 à 3 millions de dollars, 2 à 3 millions d'euros. Spectacle, ça probablement de Carimi doit toucher en 300 000 ou 400 000 euros. Mais niveau logistique que moi, son logistique maximum, 400 000 à 500 000 euros, madame, monsieur. Et pas oublier, le spectacle de Carimi, je dis, même si vous mettez New Look, vous mettez Disciple, vous mettez Class, vous mettez Zenglé, vous n'êtes pas capable d'arriver plein. Arena. Ah ouais. Arena plein. Ah oui, donc là, c'est ça. Même si vous mettez 5 jazz, OK, dans la musique haïtienne. Et il va prendre longtemps pour un jazz haïtien faire ça, Carimi fait. Même si vous mettez New Look, vous mettez Disciple, vous mettez Classe, vous mettez Zenglé, il ne peut pas arriver plein Arena, madame, monsieur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Carimi, t'es en promotion au niveau de toute l'Europe. Yeah. Moun gal nan Carimi, madame, monsieur, dans le spectacle là. Ce n'est pas son haïtien, non? Promotion spectacle que ça fait en Belgique. D'ailleurs, ce n'est pas haïtien que tu as fait, non? Oui. C'est pas haïtien. Bon, pour moi, tu as haïtien, non? Tu as fait spectacle après maintenant tout. Berlin? Et c'est un Berlin. C'est pas non, monsieur, c'est peut-être un qui t'a coordonné avec l'étranger. OK? Donc, son étranger, madame, monsieur, OK? Qui fait promotion 20 ans Carimi à travers presque toute l'Europe. Il y a des gens qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne, qui sont en Italie, qui sont tout côté en Europe, qui viennent dans ce spectacle là, madame, monsieur. Donc, pour les gens, ça va accepter. Tout le monde, ça va affecter par le fait que les artistes qui tombent sous scène et puis qui va lever. Alors, Louko. Donc, il y a une leçon pour dire dans ça, madame, monsieur, c'est que pas de sérieux pour nous ensemble toute la journée. Pas de sérieux pour nous ensemble toute la journée. OK? Seul gens pour nous capables de changer l'ordre des choses, seul gens pour nous capables de changer le pays, c'est dans la communion totale, on avec l'autre. Et ceci, regardez ça qui passe jusqu'au menu le matin. Regardez ça qui passe. Pas une question de couleur, pas une question de nègre en haut, pas une question de nègre en bas, pas une question de tête green, pas une question de cheveux si haut. C'est de tout le monde qui était là et puis qui est affecté par ça qui passe, madame, monsieur. Je vous dis, son Mikaben, probablement, route que le bras faire, probablement, ça a peut-être se va payer, je me dis, Makatudouya, comme il y a des gens qui sont spiritualistes, lui-même, peut-être qu'il y a une interprétation mystique par cette question, mais nous ne parlons pas là. OK? En tout cas, c'est douloureux, ça fait mal en pile, ça vraiment fait mal. Moi-même, j'ai des gens qui m'ont eu le téléphone, qui ont crié le matin, jusqu'à hier après-midi, qui ont crié. Ce n'est pas des gens qui sont contre Mikaben. Ce n'est pas des gens qui sont contre Mikaben. OK? C'est des gens qui sont Haïti. Dans l'État haïtien, là, qu'on a un groupe d'artistes qui peut faire parler d'Haïti sur le plan international avec sa musique, avec notre culture. Dans le moment que Saint-Domingue, dans le moment que un pile l'autre pays étranger, OK, a parlé Haïti mal, a dénigré Haïti, mon groupe d'artistes, un groupe d'Haïtiens, OK, je dis, qui porte couleur pays, culture pays, à l'autre niveau, qui d'abord fait que yo présente Haïti. Donc, sur notre angle, garder Haïti sur notre angle. C'est ça lié. Je dis, malheureusement, artistes par nous, qui importance que nous avons pratiquement dans le pays. Qui encadrement l'État dans le pays. Je veux dire, son Mikaben qui sont tombés devant le public. Mais est-ce qu'on a des artistes haïtiens aujourd'hui qui ont mouru pauvres? Est-ce qu'on a des artistes haïtiens aujourd'hui qui n'ont pas qu'à manger? Qui sacrifient vieux, qui baillent tout vieux à la musique, à la culture haïtienne? Est-ce qu'on a des artistes haïtiens aujourd'hui, madame, monsieur, qui sont dans une situation extrêmement difficile? Le cas de Choubou. Le cas de Choubou. Bon, Choubou, pas la difficile. Choubou, pas bon même. OK? Oui. En tout cas, bien matin. Alors, nous avons Pays Yvon. Oui. Et Pays Yvon qui est lui-même. Oui. Et New York. Okay. Qui... Alors, selon certaines informations également, Louko Désir, et Madame Mikaben, tu as souhaité que funérailles la fête tant pas. Moi-même, tu as souhaité que. Et Mikaben enterré dans le pays d'Haïti, au ballon funérailles national qu'il faut. C'est important. Bon, premier bagage.